Charge de fuite au niveau de WC les amis, donc là j'ai ouvert le robinet. Pour les gens ça venait de l'arrivée d'eau générale, mais non c'est pas le cas. Alors quand je suis rentré dans le WC, déjà la première chose que j'ai fait, j'ai senti les odeurs. Donc je vois la couleur de sol, il a changé. Et puis quand j'ai ouvert la vanne, je vois que visiblement il n'y a rien, ni autour du réservoir, ni autour de la cuvette. Par contre, quand je regarde comment ils ont fait le raccordement de pipe flexible, et regardez, ils ont fait le joint silicone. Alors, je vais vous montrer une autre astuce qui peut vous prouver que ça vient de WC ou de la colonne. Regardez, ici, il y a un type de mouche là que vous voyez qu'il est en train de traîner là. Ça, c'est le type de mouche. Voilà. Elle vient souvent quand on a les odeurs de WC, quand on a, voilà, on a de la merde qui a qui sort par le WC. Donc ça, c'est une colonne Ovan. Donc il y a toujours de la merde qui sort par le silicone. Ils ont fait du silicone avec du pipe au lieu de faire du ciment. Donc c'est normal les amis, il y a de l'eau qui remonte automatiquement. Et il y a des odeurs. Bien sûr, il y a des odeurs dans l'appartement.